C'est Kamoff, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, j'aimerais que tu rajoutes Triona Promo sur Snapchat. C'est facile pour gagner de l'argent, un peu de ça c'est des paris sportifs, donc tu peux être majeur, il faut pas être mineur, mais tu peux gagner de l'argent, ça c'est rapide et simple et efficace. Alors rajoute-le s'il te plaît avant que je t'explose la bouche. Merci. Vous l'avez compris, si vous voulez rajouter mon ami Triona Promo, c'est simple, gratuit et efficace. Son Snap s'affiche juste au-dessus. Ça fait plus d'un an que je parle de lui. Et si vraiment il n'était pas rentable, j'aurais arrêté depuis longtemps. Essayez, rajoutez-le, discutez avec lui. Et vous verrez par vous-même que c'est simple et efficace. Et si jamais vous avez envie de parier, faites attention et soyez majeur, pas mineur, parce que c'est interdit. Pour revenir à la vidéo, on a reçu des messages sur Facebook, sur notre page, d'une dame qui va souvent prier à l'église. Bien évidemment, on ne dira pas le nom de l'église pour pas faire remarquer le quartier où elle est, etc. Et là, vous me direz, ouais, mais quel est le problème? Pourquoi une dame, c'est quoi le souci? Le souci, c'est que cette dame a déjà vu un homme venir dans l'église, faire semblant de prier et prendre les affaires des gens pendant que ces derniers prient. Alors, je trouve ça absolument scandaleux. Ce sont des choses qui ne se font pas. Une église, c'est sacré. On ne doit pas voler, on ne doit pas casser. Voilà, c'est un lieu de respect. Et en aucun cas, cette personne a le droit de dérober les affaires des gens. Donc on a demandé l'adresse, on s'est rendu sur les lieux pendant la messe et on a attendu avec une caméra cachée de voir si quelqu'un était bizarre ou si quelqu'un essayait de dérober quelque chose. Et bien évidemment, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça s'est produit. Je vous laisse regarder la vidéo dans son intégralité pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé et comment on a réagi face à ça. Et on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour une petite conclusion. Ciao. Donc voilà les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo que je vous ai parlé dans l'intro. Donc là, comme d'habitude, je suis avec toute l'équipe et on va faire un petit jeu sur Insta. Donc rendez-vous sur Insta maintenant. Montre ta touffe. Regardez, je rase tout ça. S'il arrive à 20K sur Instagram, on lui épile le dessous des bras à la cire, d'accord? Et ça sera fait en vidéo à 20K. Tu t'engages ou pas? Ouais, je m'engage. Engagé. Maintenant, Soso. Si il passe à 20K et lui il y est bientôt, il est à 12 000 donc c'est pas compliqué. Lui c'est simple, on lui prend ses cheveux et on lui fait la couleur la plus pourrie que vous avez décidé en commentaire et il la gardera tout le temps jusqu'à ce qu'il coupe les cheveux et il gardera la couleur que vous avez décidé. Maintenant, si Bâtard arrive à 20K et que vous le rajoutiez, lui il est bientôt à 10 000, c'est facile aussi. Il se rase la tête, il fait une boule à Z. Et croyez-moi, il y a de la chevelure à couper. Okay, chauve, hein. Chauve, le caillou tout sec. Chauve, sec, au rasoir. Au rasoir, les gars. Et si le frérot Eddy arrive à 20K, lui, il y a un peu plus de travail parce qu'il a que 3000 abonnés. Mais si lui arrive au 20K, on lui épile la moustache à la pince à épiler, poil par poil. Et tout ce que je dis, ça sera fait en vidéo. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on est devant une église. On ne dira pas le nom de cette église pour garder l'anonymat et pour pas justement donner une mauvaise image à l'église en question. Une personne nous a contacté sur Facebook nous disant que régulièrement, il y avait des affaires qui disparaissaient pendant les messes ou quand les gens se mettent à prier. C'est sûrement quelqu'un qui vient voler les affaires des gens pendant que ces derniers sont en train de prier. Ce qu'on va faire avec l'autorisation du prêtre de cette église, nous allons rentrer et placer des caméras de surveillance, c'est-à-dire une petite GoPro bien cachée à l'endroit où les gens viennent prier. On va attendre dehors. La caméra sera reliée directement sur nos téléphones et si on voit quelque chose, là, à ce moment-là, on interviendra directement. On va mettre la caméra, comme je l'ai dit, avec le prêtre et ensuite, on se mettra un peu plus loin en attendant que quelqu'un viennent voler, s'ils viennent voler, mais apparemment c'est une personne qui vient régulièrement parce que tous les jours il y a des gens qui viennent prier dans cette église. Allez, c'est parti, on y va.
là les gars, on vient de voir le retour caméra. Le mec il vient de prendre la sacoche, donc il devrait pas tarder à sortir de l'église là. C'est sûr et certain. Mais il est là. Il est là. C'est lui. Qu'est-ce qu'on fait, on le suit les gars? Ouais, on le suit. Vas-y, on va l'intercepter. Viens, on y va en deux. Suis. Non, on court pas, tranquille, faut pas chauffer. Fais comme il marche vite, piste comme il marche vite, gros. Pourquoi t'as jeté la sacoche? Pourquoi? Tu as eu peur? Je croyais qu'on allait te raqueter. Je sais pas moi, je vois. Ah, tu croyais qu'on allait te raqueter? Après, filme-moi, c'est moi, reste parler. Vas-y, pourquoi les films? Parce qu'on fait des vidéos sur internet, viens. C'est quoi ce qu'on a raccroché depuis? C'est simple, hein. On va pas discuter sans temps. D'où tu viens là? Tu étais où? Tu étais où là? Avant de courir? J'ai volé. Non, faux. Faux. J'étais chez le collègue, je t'ai ramené la sacoche. Tu mens, dis la vérité. Tu étais pas à l'église? Quelle église? L'église de... Tu étais pas à l'église là, il y a 10 minutes, même pas? Je suis passé devant, ouais. Tu es passé devant ou tu étais dedans? On répond, mon frère, arrête, on a perdu du temps. Écoute, on t'a vu prendre la sacoche, le sac, à quelqu'un qui est en train de prier. T'as pas honte? Ne me dis pas, je sais pas quoi. Comment ça, quoi? On t'a filmé. On t'a vu, on a mis des caméras. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu fais ça tout le temps? Tout le temps, tu fais ça? C'est bon, à vous, mon pote. Tout le temps, tu voles des sacoches, des sacs, des portefeuilles, des gens qui prient. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Pourquoi tu vas dans les églises? C'est à toi la sacoche? Mais on s'en fout qu'elle soit à moi ou pas à moi. Parce que si c'était à moi, on serait pas en train de parler. Ça serait à moi. Donc, déjà, pourquoi tu fais ça? C'est ça la question, la vraie question. On va gérer pas, mon frère. Qu'est-ce que tu as l'impression? Parce que ça y est, t'es fini, ça y est. Les gamins, j'ai récupéré la sacoche de mon collègue et je devais la déposer au jardin. On va faire simple, hein. C'est simple. Tu vas pas avouer, y'a pas de problème. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que là tu es filmé, on a ta gueule. On va mettre ça sur internet et on va aller au commissariat pour montrer à tout le monde ce que tu fais. Ça te va? Tu es content? Maintenant tu peux partir si tu veux. Soit tu avoues les choses. Soit on va au commissariat, on balance ça sur YouTube. On a 600 000 personnes maintenant qui nous suivent. Soit tu le dis, on règle le problème. Donc c'est toi qui vois. Soit tu tailles. Soit tu tailles, on mettra ta tête sans foutage. Maintenant tu avoues, oui ou non? Ouais, c'est... j'ai pris la sacoche. Mais où? Tu crois que c'est bien de faire ça? Où tu as pris la sacoche? Sur un banc. Seulement où? Dans l'église. Pourquoi dans l'église? Pourquoi tu vas dans les églises voler? Je comprends pas. Je sais pas, le gars. Tu veux pas aller travailler? Non, j'ai cru qu'il avait oublié, le gars. Parce qu'il avait oublié, sur la vidéo on le voit que tu es là, tu hésites. Tu es là, tu veux prendre la sacoche, tu dis, tu fais attention. Ne me prends pas pour une con, arrête de me prendre pour une con, c'est en train de me saouler, je te jure. Comment on fait? Vas-y, trouve une solution là maintenant. Vas-y, comment on fait? Vas-y. Je sais pas, je ramène la sacoche. Ah, ça y est. Ah, tu crois que c'est comme et attends, ça, attends, juste une question. Non, mais il ramène la sacoche, c'est d'accord. Facile. Et tous les autres? C'est la première fois que tu fais ça? Comment ça, tous les autres? C'est la première fois que tu fais ça? Ouais. Ah ouais, tu crois qu'on est venu ici par hasard à l'église? Il y a des gens, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, il y a quelqu'un, il y a des affaires qui disparaissent, il y a quelqu'un, peut-être qui vient voler dans l'église pendant que j'étais en train de prier. C'est pas la première fois que tu fais ça, dis-moi la vérité. Je sais pas, ça devait être une autre personne. C'est une autre personne? Non, c'est la première fois. Ouais, donc là, tu continues. Non, mais là, tu continues à me prendre pour un con. Là, tu continues à me prendre pour un con. C'est la première fois, genre. Là, c'est la première fois, on t'a niqué, c'est la première fois. Il esquive, c'est ça, il en fait. Tu sais quoi, écoute, tu peux rentrer chez toi, mon ami. Voilà, ouais. Tu vas rentrer à la maison, hein, tu vas rentrer calmement à la maison. Vu que tu me prends pour un con et que tu me dis, en plus, non, c'est la première fois, c'est que tu me prends vraiment pour un con. Donc, tu peux rentrer chez toi, on va pas te courir derrière, on va aller au commissariat et on va te reporter. Hein, c'est bon? Nous, on a récupéré la sacoche, c'est le plus important. Mais on va pas aller au commissariat, tu me prends pour un con de là à là, frère. De là à là, tu nous dis, non, c'est la première fois. Arrête de me prendre pour un con. Les gens, ils nous appellent, c'est que c'est pas la première fois. Bah, je sais pas, peut-être il y a longtemps, j'ai déjà... Non, oh. Soit tu avoues que c'est pas la première fois, soit on s'arrache à vos commissariats. Ça va quoi? T'avoues quoi? T'avoues pas? T'avoues que c'est toi les prêts? Oh, mon frère, parle! Dis oui, j'avoue, j'ai fait ça, ouais. Ouais, d'accord, combien de fois? Combien de fois? Je sais pas, quelques fois. Combien de fois tu vas par semaine? Je sais pas, je suis allé une fois il y a une semaine et... Non, cette semaine, tu vas combien de fois? Cette semaine. Deux fois. Mais deux fois, tu as voulu. Deux fois et troisième avec ça là, trois fois avec ça là. En deux fois? Aujourd'hui, ça fait trois fois. C'est ça? Ouais. D'accord, donc ça veut dire que tu vas trois fois par semaine. C'est ça en fait. Il a cru la salle de sport, il va aller. Il est tu comptes pas les jours? Travail. Écoute, je vais t'expliquer. Il n'y a pas 36 solutions. Comme je t'ai dit, soit on va au commissariat avec les images,
Mais après tu te démerdes avec la police parce que moi je suis pas policier, je suis pas flic, je suis rien du tout, je suis pas à la justice, je suis rien. Sans quoi ? Soit tu restes avec nous et on va te faire comprendre qu'il faut plus jamais recommencer. Mais on va pas te frapper. On va pas te frapper parce que nous on n'est pas violents. Parce que voler dans une église, poteau, il y a vraiment. Faut vraiment pas avoir de race, tu vois ce que je veux dire. Je te parle, tu as honte ou pas ? Je sais pas, je crois pas en Dieu. Pas les couilles. Hein ? Je crois pas en Dieu. Mais c'est même pas question de croire, c'est. Ah, parce que tu crois pas en Dieu alors tu. Aucun respect, frère. Mais c'est vrai, tes habits ? Tu veux quand tu voles tes personne n'aime se faire voler. Mais bon, ah bah voilà, quand tu le fais, alors. C'est pas moi, c'est quand tu le fais, tu aimerais. On vole quelqu'un de ta famille. Viens, viens, dis, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Tu as quel âge, s'il te plaît ? 19 ans. 19 ans ? Ouais. Putain, t'as presque mon. Et tu veux pas trouver un travail comme tout le monde ? Non ? Je sais même pas, moi, tu fais rien, là. Les gars, vous savez ce qu'on va faire ? Tu veux pas qu'on aille au flic ? Non. Restez avec lui, d'accord ? On ramène dans un quartier. Restez avec lui. Saut. Saut, viens avec moi. Toi, vous restez avec lui, il se taille pas. La caméra, tu viens avec nous et on va aller trouver un truc à faire. On va te trouver un truc à faire et après t'inquiète pas, tu. Tu vois, c'est soit ça, soit tu vas au commissariat. Donc arrête de poser des questions. Hein, sur moi, je parle trop. Déjà, on est gentil, frère. Déjà, on est gentil, on te laisse là comme ça. Hein, allez. On va partir avec ce saut là. On va prendre la voiture. On va aller acheter un déguisement de sœur pendant qu'ils sont avec lui. Et on va aller acheter du ciment. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'on va lui faire. Donc là, on a acheté tous les déguisements. Bien ça. Le sac de ciment, il fait 35 kg. Il est très lourd. On va vous montrer ce qu'on va faire avec. Quand il va nous voir arriver, il va rigoler, je pense. Il va rigoler, mais jaune. Là, ce qu'on va faire, tu vas te mettre ça. Tu vas mettre ça. C'est quoi ? Tu vas trop belle comme mais ça. Mais ça, c'est un déguisement de sœur. Donc tu vas mettre déguisement de sœur, d'accord ? Et tu vas mettre ça. Parce qu'il est plus beau le masque que ta figure. Le défi, c'est que tu as vu ce sac de 35 kg, tu le portes à bout de bras. Si tu restes 20 secondes, on te laisse repartir, on te. Tu repars. Je fais quoi ? Je dois porter un sac de ciment et après je rentre. Non. Tiens, oublie un petit détail, ça et le masque. Tiens. Faut que tu mettes ça. Tu peux te faire une petite idée, tiens. Faut que tu mettes ça. Faut que tu te déguises en sœur, d'accord ? Et que tu portes le sac de 35 kg. Si tu arrives à tenir 20 secondes, tu enlèves le déguisement et tu t'en vas. Et on te laisse et tu reviens plus à l'église. D'accord ? Allez, vas-y. Donc voilà, les amis, on est avec notre voleur de sac dans les églises. Hein ? Ça va ? Ouais. Donc là, on l'a habillé comme ça, c'est pas pour se moquer de la religion ou pour faire je sais pas quoi, c'est juste qu'il regrette ce qu'il a fait. Voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un chronomètre. Tu vas prendre ça à bout de bras en hauteur comme ça. Et une fois que tu l'as en hauteur, il faut que tu restes 20 secondes. Si tu restes pas 20 secondes, on va au commissariat avec les images, d'accord ? Si tu tiens 20 secondes, par contre, tu peux rentrer chez toi. Est-ce que tu as compris ? Oh frère, la bouche à boustiflore, mon frère, on dirait boustiflore. Boustiflore. Oh, botoxé. Botoxom, on va t'appeler. Il est fané, lui, au bout de sa vie. Eh, vas-y, donne le sac. Tu arrives, mets-toi en hauteur. Chronomètre, s'il te plaît. Le sac, fait le pouvoir, il fait 100 fois. Il arrive pas, il arrive. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, grosse merde, pitié. Je vous sens. Hein ? Parce que frère, tu crois vraiment qu'on allait te laisser partir comme ça ? C'est bon, là tu as eu ton truc et tu as de la chance, hein, le sac il s'est pas complètement ouvert, tu l'as lâché avant. Tu as de la chance. Eh ben tu peux nous ciment. Tu as tes affaires. Tu as tes affaires, tu peux récupérer tes affaires et tu repars avec tes affaires ou tu repars comme ça comme tu veux. Et ciao. De toute façon il est habillé en dessous, il a juste à enlever le truc. Chaud. Allez, allez, va te laver déjà, ça serait bien $100. Allez, allez. Ah, il marche, il lâche de la poussière. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens vraiment à dire que si on a déguisé cette personne en sœur, c'est pas pour blasphémer sur la religion, c'est pas pour se moquer de la religion. C'est tout simplement parce que je ne voyais pas quel déguisement et c'est tout simplement parce que je ne voyais pas quel déguisement lui mettre. Et dans la précipitation, je suis allé au magasin, j'ai vu ça, ça, hop, ça, j'ai fait le rapprochement. Et puis au moins il comprend ce que c'est. Mais en aucun cas j'ai voulu manquer de respect au christianisme, à l'église ou à la religion, loin de là. En attendant, j'espère que ça lui a servi de leçon. Dans tous les cas, on a ses papiers, on a son adresse, on a tout ce qu'il faut pour aller porter plainte et j'espère vraiment qu'il remettra plus jamais un pied dans une église et ni dans celle-là où il a volé. Alors pour nous suivre avant de se quitter, c'est simple, vous avez Snapchat, Instagram, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, on est plus de 560 000 à l'heure actuelle. Là on est en route vers les 600 000 et pourquoi pas les 1 million grâce à vous, si vous décidez de nous aider, d'aimer, de partager, de commenter, de faire ci, tutti quanti, hein, voilà.
Si vous aimez notre marque de vêtements et si vous voulez la porter, je le répète à chaque fois, rendez-vous sur le site www.futuratech.com. Il y a des habits pour femmes, pour enfants, pour hommes, pour tout le monde, et la livraison est gratuite. Profitez-en, c'est sécurisé. Le message que je voulais faire passer en faisant cette vidéo, c'est tout simplement de dire aux gens que quand vous vous rendez dans une église, ne manquez de respect à personne, ne volez pas, ne criez pas, parce que la dernière fois je suis allé visiter une cathédrale à Milan, les gens ils criaient, et ils rigolaient entre eux, c'est limite s'ils faisaient des cache-cache. Enfin, pour moi c'est un gros manque de respect, c'est vraiment un lieu où les gens essayent de se recueillir, essayent de trouver quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc vraiment s'il vous plaît, quand vous allez dans des églises tout ça, mais vraiment respectez les églises, parce que c'est encore le seul endroit où on est accueilli, peu importe qui on est, voilà. C'était Kamoff, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait bientôt 3 ans qu'on fait ça. On ne s'est jamais arrêté et on ne s'arrêtera jamais. Voilà, merci beaucoup. Grosse dédicace à tous ceux qui nous suivent. Et à mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao.